Raconte-moi, tu te rappelles, sous les Juifs d'Algérie, qu'est-ce Je que sais, tu... nous, dans notre famille, on était une grande famille. J'habitais un village où il y avait une dizaine de familles juives. Pour les fêtes, on n'avait pas de bête à Knesset. Pour les fêtes, on se réunissait chez un très religieux, À quel village? Montgolfier, là où je suis né. C'était pas loin de Relizane, à côté de Relizane. À Relizane, ils avaient une bête à Knesset, là où même elle est née, où elle habitait. Et ils avaient une bête à Knesset. Nous, on n'avait pas, mais on priait là-bas pour les fêtes. Et chacun respectait chez lui bien comme il fallait. Il avait de la vaisselle de Pessard à part. On mangeait cachère, bien entendu. Il y avait un chourette qui venait de la ville à côté, faire la shrita. Et puis on mangeait les légumes comme ça. Et les musulmans, ils faisaient des problèmes. Les musulmans, on était bien camarades. Il n'y avait aucun problème avec les musulmans. On était bien camarades. Il y en a qui. J'avais des camarades musulmans qui étudiaient à l'école française avec nous. Et il y en a d'autres qui étudient avec les Arabes. Mais enfin, on avait des bonnes relations avec les musulmans. Bon, après la guerre, ça a changé. Dans Après quelle la guerre, année? moi, je n'étais pas. Hein. En 1944-45, la mentalité, elle a changé parce que tous les Arabes, ils ont fait la guerre, ils ont vu d'autres choses, l'Algérie. Ils sont allés en Allemagne, ils sont allés un peu partout, ils ont vu. Quand ils sont revenus, ils avaient une autre mentalité. T'as mal au cœur que tu ne pouvais pas visiter encore une fois l'Algérie et voir l'Algérie. Mes sœurs, elles sont parties et à partir de Marseille, elles ont été voir l'Algérie. Elles sont allées à Oran, là où on habitait. Mes parents, ils habitaient à Oran. Et elles sont allées et disent, il vaut mieux pas aller. Quelques années après l'indépendance, elles sont allées à Oran. Enfin, une de mes sœurs, avec son mari, puis elle a dit, ça vaut pas le coup d'aller. L'Algérie, ça a changé complètement. À Oran, c'était une belle vie pour nous. Il y avait beaucoup d'Espagnols à Oran. Aujourd'hui, Ils étaient français, mais ils ont dû partir. Il reste rien que des Arabes, pratiquement. Je ne suis pas retourné depuis le temps. Et moi, je suis resté après l'indépendance en Algérie encore. 2 ou 3 mois après, pour le travail que j'avais.